J'ai fait des découvertes intéressantes en vous attendant. Betardzell est en bien meilleur état que bien des ruines où je suis allé. J'ai vu une salle qui paraît liée aux pierres clés. Mais meilleur état ne signifie pas entièrement intact. Le chemin est bloqué. C'est tout le problème. Mes pouvoirs de vampire rendent la traversée tout à fait anodine. Mais vous ne pourrez pas me suivre. Cela dit, je crois avoir trouvé une solution. Potentiellement. En théorie. J'ai remarqué plusieurs portails du vide dans tout Betardzell. J'ai cru comprendre que Vérandis et vous en avez déjà croisé. Je ne suis pas un expert en téléportation, mais il devrait vous permettre de traverser les ruines et de trouver un itinéraire. Puis-je vous suggérer de commencer par le portail au sommet de cette tour? On dirait un bon point d'observation pour inspecter la disposition de ces ruines. Je suis sûr que vous trouverez vite un moyen de contourner les obstacles. D'après ce que Vérandis m'a expliqué, les portails du vide vous attirent vers leur emplacement. Alors par tâtonnement, vous devriez trouver votre chemin. Du moment qu'il y a un portail du vide près de notre destination, vous ne devriez avoir aucun problème. Ça a marché ! Enfin, je vous attends. Je vous attends de l'autre côté.
J'étais certain que vous ne vous laisseriez pas absorber dans un vide informe. Le reliquaire est derrière cette porte. Voyons voir ce qu'on peut trouver. On dirait de l'équipement de fabrication. Est-ce faisable ? Je croyais que c'était... Non, Rana, ce n'est qu'une possibilité, mais la captation d'âmes nécessaire... Nous pourrions sauver les nôtres du tourment de Havreglace, et tu pinailles pour le coup ? Ton cœur est-il donc fait de glace ? Même si vous rameniez les nôtres à la vie, Molagbal resterait le maître de leurs âmes. Nos contrats sont inviolables. Un obstacle de plus à surmonter ! Vous pensez que le prince de la domination n'est qu'un obstacle ? Rada, écoutez ce que vous dites. L'une de mes plus grandes erreurs fut de m'agenouiller alors que j'aurais dû rester droit et fier. Je ne recommencerai pas. Je croyais que c'était Zingalis, un des exarques de Rada Al-Saran, qui avait imaginé ce plan pour ressusciter la Horde Grise. Mais c'était Verondis. Il aurait dû nous le dire. Si vous avez accompli les trois étapes de l'enquête, rentrez au planétaire. Sinon, retrouvez Lyris à Fort-sous-Roche ou Gwendis à l'archive du Creux de Nuit. Et finissons-en. Ouais. Et c'est une histoire plus sombre que je ne l'aurais cru. Non seulement Verondis était membre de la Horde Grise et confident proche de Rada Al-Saran, mais il fut également l'architecte de leur renaissance. J'espère qu'il sera vraiment prêt à affronter Al-Saran le moment venu. Lorsque nous affronterons Rada Al-Saran, ce doit être la dernière fois. Lorsque le moment viendra d'en finir, il devra n'y avoir aucun doute, aucune hésitation. Mon père doit être prêt à aller jusqu'au bout. Cette discussion peut attendre. Partons. Financer la solde des gardes pendant des années. Répondrez-vous à l'appel de la crevasse? Enfin, quelqu'un qui semble assez fort. Par ici, partenaire. J'ai des mauvaises et des encore plus mauvaises nouvelles. Kadash et moi avons déjà eu des mots, surtout des insultes d'ailleurs. Le seul accord a été qu'il arrêterait d'envoyer ses mains de pierre pour m'expulser et que j'arrêterais de leur casser le nez. Ce n'était pas vraiment un combat. Il a juste ordonné à ses mains de pierre d'attaquer. D'ailleurs, même après, on ne peut pas appeler ça un combat. Nous avions à peine abordé le sujet du territoire arraché lorsqu'il a crié quelque chose à propos de Manny Marco et lâché sa garde personnelle. C'est ce que j'essayais d'apprendre, quand Kadash s'est fâché tout rouge et a promis de mettre ma tête sur son mur au bout d'une pique. Écoutez, allez lui parler. Vous aurez peut-être plus de chance que moi. Markarth serait une ville fantôme sans vous. Si cela ne vous vaut pas la politesse d'une audience, je peux recommencer à casser des têtes. Lard est dans sa salle du trône. Nous devons juste savoir où trouver la terre arrachée à Tamriel.
D'après la lettre de Radha Al-Saran, elle se trouve dans la crevasse. Oh, et je refuse de présenter mes excuses. Enfin, à Kadash en tout cas, désolé. Mani Marco, l'empereur Varenne, les Nordiques, les crevassés, sa barbe miteuse. Je supporte qu'on m'insulte, mais je ne pouvais pas rester sans rien dire pendant qu'il vilipendait Varenne et faisait l'éloge de ce traître de Mani Marco. J'ai vu défiler suffisamment de putois pour la journée. Puisque vous avez versé le sang pour mon peuple, je vous prête mon oreille, mais faites vite. Ma bile monte et risque de déborder si je parle trop. Ah, vous parlez avec la langue de cette demi-géante. Que vous importe ce que je fais de mon territoire? J'ai donné ce lieu à Mani Marco il y a des années. Il avait tout à fait le droit de l'offrir à Molag Bal. Pourquoi revenir sur ces histoires? Oui, avec la demi-géante, d'après ce que racontent les corbeaux. N'allez pas croire que je ne vous ai pas surveillé autant que Dame Belaine. J'ai donné ces terres à Mani Marco bien avant que le dieu des manigances n'abatte sa colère sur votre empire. Les œuvres de son culte les ont projetées dans Oblivion. Je n'étais pas le confident de Mani Marco. Lorsqu'il est parti, il a dit que son échec ici assurerait sa réussite ailleurs. Je ne l'ai jamais revu. Si vous voulez savoir ce qu'il pensait, voyez donc ce qu'il a accompli. Je vais vous ouvrir le chemin. Il y a un ascenseur dans Nechuanzel qui vous mènera au pays arraché. Je l'ai scellé pour des raisons évidentes. Mais je ferai en sorte qu'on vous laisse passer. Maintenant, filez et emmenez votre louve irascible. Il y a encore peu de temps, les crevassés dirigeaient l'Empire. Nous avions récupéré nos terres et notre dignité. Puis, l'usurpateur nous a renvoyés dans la boue. Mani Marco a promis de faire justice à mon peuple si je l'accueillais. C'était un pacte avec un esprit obscur, je m'en rends compte. Non. L'usurpateur Varenne a perdu ses terres, son trône et bien plus. Mani Marco a tenu sa promesse. Si cela vous dérange, je n'ai pas à m'en excuser. Je peux simplement vous raconter où commencent et s'achèvent mes relations avec le roi des Vers. Vous avez les renseignements qu'il nous faut? Tant mieux. Vous avez trouvé l'endroit? Donnez-moi les détails et vous pourrez avancer. Je veux suivre quelques autres pistes sur le culte du Ver pendant que nous sommes à Markarth. Ça ne prendra pas longtemps, je vous rattrape. Cela se trouve dans ou derrière une ruine d'Oemer. Merveilleux. Heureusement que j'ai apporté ma hache anti-assemblage. Rien. Rien qui mérite de perdre son temps, mais j'ai découvert quelques endroits où le culte du Ver logeait en ville. Il a disparu depuis longtemps, mais je trouverai peut-être ce que Mani Marco a à voir dans tout ça, et pourquoi cela intéresse Radha Al-Saran. Oh, parfait. C'est de mieux en mieux. Je pensais que j'étais débarrassée depuis longtemps de la folie de Mani Marco. Autant pour moi. Allez-y, je vous rattrape.
les radars, Al-Saran. C'est notre chance. Dommage. J'aurais aimé que Verandis voie l'endroit par lui-même. Ils ont arraché un fragment de cette pierre. Sirada Al-Saran s'est donné cette peine. Eh, il y a un autre souvenir ici. Comme celui que Fenorian a trouvé près de Betar Dams. Ce sont mes notes ? Verandis, pardonne-moi. Comme toujours, ton génie me captive. Je ne savais pas que tu avais réalisé de telles avancées. Mais je n'ai toujours pas trouvé de solution viable. Vous êtes plus près que vous ne pensez. Comment le savez-vous ? J'ai discuté de vos découvertes avec un nouvel allié. Il affirme que cela peut marcher. Seule votre hésitation vous retient encore. J'ai cru que vous aviez changé. Que vous vouliez faire amende honorable. Je refuse de participer à un génocide. Notre rêve est à portée de main, et tu continues de t'inquiéter pour les mortels. Verandis et Radha Al-Saran avaient l'air assez proches à l'époque. Vous le saviez ? Je ne sais pas ce qu'un fragment d'Oblivion ou ce Memento ont à voir avec la tempête noire de Radha Al-Saran, mais... Verandis pourra peut-être nous l'expliquer à notre retour. À ce sujet, vous savez qu'il était ami avec votre ennemi ? Alors pourquoi Radha Al-Saran envoie-t-il des messages cryptiques à Verandis ? Même s'il ne peut pas rallier le comte à sa cause, ces petits jeux pourraient brouiller le jugement de votre ami. Je vous suggère de garder le comte à l'œil au cas où. Vos recherches qui lui ont permis de ressusciter la Horde Grise. Vous saviez imaginer toute la procédure. Vous ne comprenez pas, je vous en prie, dites-moi que vous avez découvert quelque chose sur la tempête noire. Les autres voient des conspirations même là où il n'y en a pas. Rien que des passés antiques que je croyais enterrés depuis longtemps. Il paraît que vous avez trouvé tout ce que Radha voulait que je découvre. Parlez-moi de cette terre arrachée, des études du creux de nuit, et des secrets des pierres clés. Rappelez-vous le périple que Radha voulait me faire suivre, et que vous avez suivi à ma place, permettait de retracer ses pas pour savoir comment il était arrivé à ce moment. Cette pierre est un fragment d'Oblivion perdu dans notre monde. En quoi pourrait-il l'aider à sauver la Horde Grise ? Pour voir le vide par les yeux des creux de nuit. Oui, il est écrit dans la langue des premiers vampires. Mais je sais le lire. Péniblement. C'est un grimoire, entre autres choses. Il est plein de rituels pour apaiser et utiliser le cœur noir.
Il comptait me faire voir le fonctionnement intérieur des mystérieuses pierres clés d'Wemmer. Nous savons que Rada en a utilisé une pour lier le pouvoir du cœur noir non seulement au planétaire, mais à la Horde Grise elle-même. Je sens l'attraction du cœur rien qu'en y pensant. Ce que vous avez découvert ne nous apprend pas grand-chose sur la tempête noire. Du moins, pas encore. Mais une image commence à se dessiner dans mon esprit. La lettre de Rada nous fournit un autre indice. Il affirme avoir un laboratoire dans ce bâtiment. Nous devons le trouver. Certes, Rada s'est souvent appuyé sur moi, puis sur Tingalis, pour mener ses recherches et ses expériences. Mais il possédait lui-même un certain savoir arcanique et alchimique. J'imagine que pendant son long isolement, il a dû améliorer ses compétences. Qui pourrait résister à Rada si nous le laissions seul ici? Je crains que, même ensemble, nous n'ayons du mal à l'arrêter. Nous aurons besoin de tous les avantages possibles pour notre dernier combat, s'il faut en arriver là. Si je découvre comment manipuler l'obscurité, peut-être. L'obscurité déferle sur mon esprit comme autant de vagues sur la côte. C'est déconcertant. Je fonctionne normalement, mais je dois parfois m'arrêter pour laisser passer cette sensation. Je ne peux pas encore contrôler l'obscurité, mais j'y travaille. Avec mon aura Mansi, j'ai tourné la magie vers le planétaire lui-même. J'en ai beaucoup appris sur le fonctionnement du planétaire. C'est tout à fait fascinant. J'ai aussi découvert l'emplacement approximatif du laboratoire de Rada, mais il faudra une recherche plus poussée.